Bon alors, qui en ce dimanche est déprimé parmi vous? Mettons les pieds dans le plat! Petit coup de blues? Vous vous sentez fatigué? Triste? Irritable? Vous avez des insomnies? Globalement une baisse de motivation? Eh bien, Dooms Corporation est là... Corporation? What? Est là pour vous! Je me suis dit, pourquoi ne pas acheter des objets que j'estime, moi, satisfaisants et anti-déprime? Oh non, parce que la vie de ma mère, je suis déprimée en ce moment, enfin bref, on n'est que le début de l'hiver. J'ai l'impression que ça fait déjà 10 fois qu'on passe l'hiver. Premier objet. Alors, on est vraiment sur du satisfaisant, mais pour moi, il me fait rire. Pour moi, c'est anti-déprime. C'est ce verre. C'est ce verre, mais avec une gradation. Mais tu vas réussir à parler ? Avec une graduation très drôle. En fait, ici, vous avez marqué « Good day, bad day, don't ask ». En fait, c'est tout simplement pour exprimer ton mood du jour. Ou du moins, quel a été le mood de ton jour. Parce que là, généralement, quand tu prends ton petit verre, c'est en fin de journée, peu importe la boisson. Oui, vous savez, j'aime bien le vin, mais bon, voilà. Donc, actuellement, voici mon mood. Alors bien sûr, je ne remplirai pas ce verre avec de l'alcool, sinon je vais rejoindre Papa Johnny. L'eau, c'est mieux. À la vôtre. Ceci, les amis! Ah, ça me fume de ouf! Alors non, ceci n'est pas une arme. Nous n'allons pas dégommer ta voisine qui a 75 ans et qui te fait chier H24 parce que t'as la musique un peu trop forte. Ça pourrait être une histoire vraie. Mais ceci est un... Oh, tu sais quoi, vous allez deviner? Devinez juste là. Je vous attends. C'est long, hein? Exactement! Et oui, c'est un pistolet massage. Testons-le. J'ai un peu peur. Attendez, est-ce que vous voyez qu'il bouge? Soigne mon cœur. Ouais, d'accord, c'est plutôt violent comme système. C'est ma, je suis R2-D2, c'est abusé. Voilà, Obi-Wan, on y va. Donc du coup, c'est à placer selon les zones où t'as envie d'être massé. Non mais massé ou être tapé comme une malade dessus. Oh la vache. Mais c'est compliqué quand t'es seule, comment tu fais? Je peux faire ça sur le visage? Ça peut servir contre les rides? Dis-moi, mais j'ai vitesse combien, là? Je suis à la 5e vitesse! Waouh! Donc, vous avez ce pistolet massage. Après, honnêtement, dans le noir, un cambrioleur, il évoque du feu, hein, au final. Évitez juste de l'allumer. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Venez ici que je vous masse! En vrai, ça peut être satisfaisant si tu as trouvé la bonne zone à masser. Bon, allez, objet suivant. J'y croyais trop, pourtant. Ceci est un mini micro. Mon dieu, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Si t'es dans un moment où tu te sens, je sais pas, t'as un moment de déprime, t'es dans ton canapé, je sais pas, t'es pas bien et tout, et que l'envie te vient de pousser la chansonnette, tu branches ce petit micro là, tu vois, et c'est parti. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant, si avec toi je danse et je vais de l'avant, Elodie, elle me sourira la vie. Comme une douce belle... Tu vois, regarde, t'as de l'inspi avec ce petit micro. Bien sûr, avant de te prendre pour Ariana Grande, Maria Carey, il te faudra une prise jack. Et tu pourras t'entraîner comme bon te semble. Arrêtez, ça vous fait rire, je suis sûre que vous avez au moins souri, non pas à ma prestation d'Elodie Costa, mais à ce petit micro, il est trop choupinou, regardez. Qu'il est mignon. Alors attention, pour plus d'impact, cet objet a besoin d'être dans le noir, donc nous allons enlever quelques lumières. Nous allons assombrir l'atmosphère. Musique d'ambiance, s'il vous plaît. Ah, bordel de merde, faut que tout se prépare. C'est ceci. Attendez, vous allez comprendre pourquoi. Ceci est une lampe galaxie que je trouve trop stylée. Parce qu'en fait, quand vous la mettez dedans... Bon, là, je peux pas être dans le noir complet, mais ça rend super beau, je vous jure. Et ça, c'est vraiment un objet pour moi de détente. Vous mettez ça... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis déprimée, vraiment, j'ai vraiment un bad mood. J'adore écouter de la musique triste. Je fais partie de ces gens-là, voilà, pour mieux analyser mes sentiments, tout ce que je ressens. Et je bade généralement sur quelque chose, j'ai les yeux un peu dans le vague et tout. Et j'adore cette lampe galaxie. Je trouve qu'elle est parfaite pour un bad moon avec de la musique triste. Regardez, mettons de la musique triste. Et maintenant, bader sur cette lampe. Wouah, j'ai failli la péter. Alors, stylé. Très contente de mon achat, je le trouve super. Franchement, dans le noir total, ça doit être trop beau. Je laisse les lumières éteintes car on va aller chez moi. Parce que j'ai d'autres objets, mais qui sont beaucoup plus imposants, où j'ai besoin d'un grand espace pour vous les montrer. Et mon bureau est beaucoup trop petit, donc c'est parti, on va chez moi.
C'est bon, je suis chez moi et plus particulièrement dans mon futur bureau, d'où la petite résonance. Parce que comme je l'avais dit dans mon home tour, c'est super grand. Et le truc, c'est que je ne sais pas encore quoi faire avec tout ça. Mais vous en faites pas, pour 2022, ça va envoyer du lourd. Voici l'objet suivant. Et vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est forcément une espèce de bonnet qui va sur une tête. Et à votre avis, qui chez moi a une petite tête comme ça? Il me faut un chat. Viens là, bébé. Viens, viens. L'objet le plus satisfaisant. Ça va? Voici un petit bonnet pour chat. C'est sûr, ça va rester 30 secondes. Mais voilà, ça me faisait plaisir. Ça me redonne le sourire. Il suffit de prendre une bonne photo. Et quand je ne vais pas bien, il suffit que je la regarde. Voilà! Maintenant, quand je serai déprimée, quand j'aurai un bad mood, il suffira que je regarde cette photo et que je me souvienne. Ah, c'est vrai que je l'ai fait grave chier, mais qu'est-ce que c'est drôle. Objet suivant. Objet suivant! Celui-là, il est ma stock. Qui a faim quand il est déprimé? Je peux le rassasier. Ceci est un pouf burger. Voilà! Voilà, je m'assois sur les fast-foods. Il est super dur, je pensais qu'il allait pas être confortable, mais en final, ça va, écoutez, je suis plutôt bien dedans. Je m'assois sur du bon gras amer. Ne me jugez pas, quand je suis déprimée, j'achète des trucs aussi, au final, qui ne servent à rien pour la plupart des gens, mais moi, ça me satisfait. Ça y est, j'ai mon décor. J'ai mon pouf burger. Hop, voilà. Objet suivant. Honnêtement, je pense que celui-là va être mon préféré. Ensemble, nous allons admirer les étoiles. Ceci est un projecteur. La déception. Non, ce qui se passe, c'est que bah, déjà, je suis pas full dans le noir. Mais du coup, en fait, au plafond, là, j'ai mis, par exemple, là, j'ai mis les constellations. Je vais vous montrer. Je savais que ce pouf allait me servir. Donc là, nous avons le projecteur. Et en haut... Yeah, ça marche un petit peu. Je pense que celui-là va être mon préféré. Nous avons les constellations qui s'affichent sur mon plafond. Et quand tu es déprimé, il suffit de t'installer comme ça et de regarder les constellations avec une musique triste. Et comme ça, vous pouvez faire une rétrospective sur votre vie, sur votre année 2021, une année de merde, mais en ayant un joli plafond, si vous êtes dans le noir total. Et c'est pas foufou non plus, hein. Excusez-moi, je ne suis pas emportée là, hein. Je pense que celui-là va être mon préféré. Objet suivant. Ceci, attends, c'est vachement grand quand même, est une baignoire gonflable. Et oui, et la chose que j'aime particulièrement faire quand je suis méga déprimée ou que j'ai eu une énorme journée, genre je vous parle de par exemple 12 heures de dédicace dans un week-end, le soir c'est prendre un bain. Malheureusement, je n'ai pas de baignoire chez moi, ça me manque énormément. De temps en temps, je dis bien de temps en temps parce qu'il faut préserver notre petite planète et les bains polluent, ça fait du bien un petit bain pour décompresser d'une journée intense ou de merde. Du coup, j'ai découvert qu'il existait des baignoires gonflables. Je suis morte. Mais vous êtes sûr que c'est pas pour mettre les corps? Et voilà ma baignoire portative. Du coup, les prochaines fois où je serai vraiment au bout de ma vie, voilà. Mais qu'est-ce que je fais, Flavie? Qu'est-ce que tu fais? Regardez, je peux même fermer. Est-ce que vous croyez que je peux prendre la mer aussi? Non, vous ne voyez pas là? En train de naviguer avec ma baignoire. Ah, je suis morte. En vrai, la vérité, cet été, je vais trop m'en servir s'il y a une canicule et tout, parce que en vrai, ça peut juste me faire une espèce de pataugeoire, histoire de me rafraîchir. Et si il y a un petit peu de vent? Oupsie! C'est bon, je suis parée. Excusez-moi, j'ai fini de prendre mon bain. Écoutez, vous avez vu tout ce que j'ai acheté. Voici pour moi les objets satisfaisants anti-déprime by Dooms. Je suis morte, j'ai explosé. J'espère au moins que cette vidéo vous aura donné le sourire. Peut-être inspirer quelques achats. N'hésitez pas à laisser en tout cas un petit pouce bleu, ça me fait toujours grave plaisir d'avoir votre avis en commentaire. On se retrouve très vite comme d'habitude pour une prochaine vidéo, tout aussi barrée. En attendant, portez-vous bien. Salut! Allez, au revoir la vie! Non! Oh merde!